Et bien finalement, ben, ils ont prouvé que certes, c'est une surprise qu'ils soient là, mais au moins ils font pas honte à la compétition. Nous, on est là. Et presque. Bon, comme on est supporter, on a toujours espoir. On se dit, tiens, allez, là, ils vont peut-être marquer. Mais au final, on n'est même pas surpris. Au final, on perd tous les ballons. T'as des Tovin qui reçoit jamais de ballon. Et quand il reçoit des ballons, c'est miraculeux. Et qu'est-ce qu'il fait derrière? Il rate un contrôle, il fait bordel. C'est bon. Hein, tous les joueurs sont décevants. Il n'y a plus aucun espoir. Ouais, je suis entièrement d'accord sur le fait que par rapport au groupe de Ligue des Champions, on est plus faible que l'Olympiakos. Et même si intrinsèquement, peut-être individuellement, les joueurs sont meilleurs, ben, je suis désolé, mais le football, c'est pas que des individualités, la preuve. Hein, Bobin, excuse-moi, c'est n'importe quoi. Donc il y a aussi un collectif. Aujourd'hui, ben, on a l'impression que le collectif, il n'est pas, et en tout cas, on ne le voit pas. Après, si je reviens juste sur le match, quand je vois la composition d'équipe, franchement, je me dis. Super, retour au 4-3-3. Luis Enrique, grosse pépite qui est annoncée sur le côté gauche. On va enfin voir ce qu'il vaut. Retour voilà, du milieu de terrain à 3. Et surtout aussi de Germain, titulaire en pointe, qui fait pour moi un très bon match. Et bien, finalement, le 4-3-3, on n'a jamais joué en 4-3-3. Sur les phases offensives, c'était un 4-2-3-1 avec Sanson en 10. Et justement, ça nous a manqué parce qu'au milieu de terrain, il manquait un joueur. Et sur les phases défensives, on était en 4-4-2 avec pareil Sanson qui restait à côté de Germain. Donc pour moi, il y a aussi eu des erreurs dans la composition d'équipe et pourtant j'étais optimiste par un match. Et d'ailleurs, je vous en parlerai peut-être un peu après, excuse-moi, Akian, de cette composition d'équipe quand on parlera d'AVB. Et j'ai peut-être une question qui pourra titiller votre esprit. Vas-y, Tom, et après, on va passer à l'attitude. Justement, juste vite fait pour, on va dire, pour teaser sur la composition d'équipe, ce qu'on va dire tout à l'heure. Juste pour moi, Villas-Boas, il a carrément lâché la compétition. Ouais, Je pense qu'il s'en fout. Et presque, en gros, dans sa composition d'équipe, il a réfléchi comme si c'était un match de Coupe de France où il voulait faire tourner avant la compétition qui compte le plus pour lui, la Ligue 1. Et on aura mérite de débattre sur est-ce qu'il a raison ou pas, parce que c'est une vraie interrogation. c'est sûr que c'est une vraie interrogation et au-delà de la composition, on va parler de l'attitude des joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de l'attitude? Parce que moi, j'ai senti quand même qu'il y avait plus d'envie que d'habitude, juste que, bah, comme d'habitude, le jeu n'a pas suivi. Mais il y avait quand même du jeu. Enfin, non, pas du jeu. Il y avait une envie de faire mieux que les matchs précédents, Paul. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, hein, de l'envie. C'est vrai que ce soir, on a vu par exemple un Germain qui en voulait. Voilà, pareil pour Enrique qui a été plutôt pas mal en début de première période. Thauvin aussi, on ne peut pas lui reprocher qu'il ait tenté quelque chose. J'ai aussi beaucoup aimé l'entrée de Payet, même si on le critique en ce moment. Son entrée était plutôt correcte. Et pareil pour Tupin, je trouve que ça nous a un petit peu aidé son entrée en fin de seconde période. Mais voilà, ça reste que des détails. Et le niveau ne changera pas grâce à l'envie de la Grinta ou quoi que ce soit. Ouais, alors pour l'attitude, ok, c'est vrai qu'en début de match, il y a eu de l'envie. Je vais pas dire le contraire, mais c'est pas suffisant. En fait, l'attitude, pour moi, c'est pas juste avoir de l'envie. C'est faire un pressing collectif, c'est avoir un bloc compact, montrer qu'on est ensemble, montrer qu'on est un vrai groupe. Alors, ils se sont parlé, mais enfin bon, ils se sont parlé jusqu'à ce Balerdi qui laisse, je crois, si je dis pas de conneries, c'est Sanson mettre en. C'est Sanson qui met en corner, et après le corner, on prend un but. Je crois que c'est comme C'était à ma vie ça. à ma vie et Balardi. C'était à ma Ça vie m'a et dit, Balardi. excuse-moi. Voilà, mais c'est Balerdi qui dit rien, qui regarde à ma vie sortir le Ouais. ballon. C'est à ma vie, Mais il excuse-moi. doit pas Et savoir on parler monte sur le français, à terrain mon alors avis. que. Non, mais il va falloir qu'il apprenne, c'est ce qu'AVB leur avait demandé à un Ouais, moment tu m'en rappelles. donné. Ce serait très bien qu'ils s'y mettent. D'ailleurs, surtout Sakai, parce que là, j'adore Sakai, mais à un moment donné, là, c'est plus possible. Bon, Mais dans Spring. l'attitude, pour moi, l'attitude, c'est pas juste courir. Parce que sinon, Sanson, à ce moment-là, ils ont mis 10 à chaque match. Hein. C'est pas ça. Pour moi, c'est être ensemble. C'est faire preuve d'un esprit collectif à toute épreuve et d'un jeu en groupe. Donc, ça rejoint un peu le jeu. D'un jeu collectif à toute épreuve. Et là, le bloc équipe, il n'était pas là. Donc, du coup, l'attitude, pour moi, elle n'était pas là. On était jamais coordonnés sur le pressing. Des fois, on était haut, mais finalement, non. Des fois, on voulait relancer de derrière, mais finalement, les milieux et les attaquants étaient trop hauts. Donc, du coup, il y avait une grosse zone centrale, tout le cœur du jeu qui était complètement libre. Il n'y avait pas un blanc. D'ailleurs, Eric Dimeco n'a cessé de le répéter. Et j'adore ce présentateur parce que justement, lui dit les choses et il connaît le football, ça se voit. Pour moi, non, l'attitude, ça a été zéro ce soir parce que ce n'est pas juste courir.
vers le joueur adverse et essayer de lui prendre la balle. C'est pas ça l'attitude. Les joueurs, de toute façon, ils ont voulu, on va dire, ils ont vu évidemment leur dernière prestation en Ligue des Champions. Ils se sont dit, bon, on va essayer de ne pas faire pire, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils ont, en gros, ils ont fait, on va dire, pour l'attitude, ils ont fait un sort de pressing, mais ce qu'on appelle un pressing pour faire plaisir au coach. C'est-à-dire qu'il y a deux styles de pressing. Il y a le vrai pressing, celui où les adversaires, ils n'ont pratiquement aucune chance sauf de dégager le ballon. Et tu as le pressing pour faire plaisir au coach, que le coach te dit, allez, on presse. Les joueurs, ils sont dégoûtés, ils pressent, mais bon, c'est pas coordonné, voilà. Mais au moins, le coach ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas pressé. Voilà, c'est ça. Et c'était ça, de toute façon, tout le match. Moi, alors, vous me dites que vous avez entendu les joueurs se parler. Moi, j'ai rien entendu. Voilà. Le seul que j'entendais, c'était Mandanda. Mandanda qui disait, sortez, et c'est tout. Ah voilà, mais encore heureux, mais il n'y a que lui qu'on entend. Voilà. Et en plus, c'est un gardien, donc au bout d'un moment, il n'est pas dans le cœur du jeu. J'ai rien entendu. Pourtant, c'était à Luclo. Donc, non, mais au-delà de se parler, c'est pas ça qu'on reproche en réalité. C'est le mouvement. Il n'y a aucun joueur en mouvement. Aucun joueur qui demande le ballon. C'est une question de confiance. Et le problème, c'est que la confiance, tu peux tout faire. Tu peux courir comme des fous. Tu peux faire un pressing extraordinaire. Tu peux tout faire. Bah, quand même. Mais si t'as pas la confiance. Et la confiance, elle revient pas comme ça. Et là, l'an dernier, notre confiance, elle était à 10 sur 10. Et là, cette saison, je pense qu'elle est à 1 ou 2 sur 10. Bah, ouais, mais c'est là que. Et le problème, c'est que les joueurs n'ont pas confiance en eux. Et pire que ça, ils n'ont pas confiance en leurs coéquipiers et ça se voit à 10 km. Ouais, vas-y, Jérémy. De toute façon, au niveau de l'attitude, les deux buts qu'on encaisse, c'est bête, mais c'est deux actions type où sur le premier, tu vois la passivité. Donc, il y avait de l'envie, oui, il y a eu un peu d'agressivité. On prend un super point jeune, je crois, dans les matchs. Mais il y a eu de la passivité et au niveau de l'attitude, tu ne peux pas tolérer ça. Le premier but, oui, on est un peu malchanceux, mais en vrai, tous les joueurs sont en train de regarder le ballon. Le second but, c'est pareil. T'as Amavi qui tombe au sol. Après, c'est tout le monde se regarde. Je la touche vite. T'es déjà désorienté. T'es totalement en retard. Et le problème d'attitude, pour moi, sur ces deux buts, elle est identifiée clairement. Voilà. Je sais pas si on va arriver à corriger ça. Ça fait combien de matchs qu'on en parle et la Paul. Ouais, je suis d'accord avec toi, Jérémy. T'as totalement raison. Et c'est ça qui fait la différence entre les petites équipes, entre guillemets, et les grandes équipes. Et voilà, ça se joue sur des détails, ça se joue sur un rien, une action, et voilà, il y a but. Un mec qui voit le match, qui regarde les stats, et il pourrait penser qu'on a fait à peu près jeu égal avec Porto et qu'on aurait pu faire un nul. Mais loin de là, le résultat, il est à 2-0, et à aucun moment, on aurait mérité de gagner. Donc voilà, c'est vraiment ce sur quoi on doit progresser, les détails, la tension, etc. Ouais, et j'ai un peu l'impression que c'est le mix des individualités. Comme l'a très bien dit Tom, j'ai l'impression que tous les joueurs n'ont pas confiance en leurs coéquipiers et j'ai même l'impression qu'ils ont raison. C'est-à-dire que t'es Thauvin et t'as Sakai à droite. Sakai, il n'a pas réussi un centre depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que t'as vraiment envie de le décaler pour qu'il te fasse un centre? Ah non, t'as plutôt envie de revenir sur ton pied gauche et de te centrer toi-même ou de revenir dans l'axe. Et c'est peut-être ça aussi... D'où vient le problème? Voilà, j'extrapole un peu sur Sakai, mais c'est un peu le problème qu'il y a. Rongier, il a jamais été offensif. Sanson, il a pas demandé un ballon alors qu'il était censé jouer quasiment comme un numéro 10. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est plus qu'un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en l'autre. Et c'est dingue parce que cette équipe avait confiance en elle l'année dernière. Et je sais pas vraiment ce qui a changé depuis. Ben oui, mais voilà, c'est exactement ça. Mais à la limite que les joueurs n'aient pas confiance en eux, ça arrive. Mais le problème, c'est que là, ils sont habituellement, quand un joueur n'a pas confiance, ils sont, allez, un ou deux dans l'équipe, grand max. Là, le problème, c'est qu'ils sont 11. Allez, Mandanda, comme il est sollicité, je le mets pas, je suis gentil. Mais ils sont 10 à ne pas être en confiance. Désolé, il n'y en a aucun qui montre de la sérénité quand il a le ballon. Aucun, strictement aucun. Il y a Thauvin, il manque de la sérénité, sauf que lui... il est tout seul. Non, même pas, parce qu'il n'est pas bon en plus, mais t'as l'impression qu'il ne s'en rend pas compte. C'est pas un joueur qui peut être bon tout seul, en fait, Thauvin, c'est pas un joueur individualiste. Oui, surtout que t'as l'impression que lui,
allez, dès les 10 premières minutes, il voit que ça avancera pas et il se dit bon, autour de moi, j'ai que des chèvres. Ouais, c'est vrai. Donc je vais mettre à leur niveau, de toute façon, ça changera rien. Mais sauf que faut aussi que lui il se remette en question, parce que je suis désolé. Certes, il est pas énormément servi ou pas énormément servi dans les bonnes conditions, mais quelquefois on arrive à le trouver. Et c'est là qu'il doit faire la différence. Et quand on le trouve, les rares fois où on le trouve, j'ai le souvenir, par exemple, je pense que vous en souvenez aussi, une transversale d'Alvaro. Donc, un peu miraculeuse, parce qu'il ne fait pas toujours des transversales. Là, elle est parfaitement dans les pieds, dans le pied gauche de Thauvin. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on ne sait pas. Même lui, il ne sait pas. Il contrôle mal et il touche. Voilà. Au bout d'un moment, en Ligue des Champions, ça, tu ne le rates pas. Même Sakai, je ne l'ai jamais vu rater un contrôle. Oh. Pourtant, Thauvin, maintenant. Non, je te jure. Je parle en contrôle quand il y a une transversale lointaine. Il rate jamais un contrôle. Il est toujours concentré, tout ça, Thauvin. T'as l'impression qu'il avait lâché et qu'il se remet même pas en question. C'est ouais. Ça le pire. Vas-y, Jérémy. Ouais, je reviens juste sur la confiance parce que je partage entièrement cet avis et je dirais même que ça peut venir du fait. Depuis que AVB est arrivé, on l'a vu l'an dernier contre Paris où on se met un peu en victime, je crois, contre le match face au PSG où on prend 4-0 en une mi-temps. Et j'ai l'impression que cette Ligue des Champions, on l'a vraiment attaqué aussi dans la peau du petit de faire la victime. Et forcément, à mon sens, ça ne permet pas non plus de mettre en confiance les joueurs quand même ton coach ne croit pas. Je crois que là, ce soir, après le match, voilà, Villas-Boas a dit compétition terminée. Mais en fait, non, la compétition, elle n'est pas terminée. T'as encore la plus du gros pas à aller chercher, tu vois. Et je trouve qu'on ne met pas les joueurs dans la compétition. Ah, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y avait ça. Je pense que c'est un joueur. Hein. Désolé, Sam. Non, c'est un peu aux joueurs aussi de. Parce que je comprends ce que dit Jérémy et Tom. Mais c'est un peu aux joueurs aussi de se responsabiliser. Ils sont en Ligue des Champions, ils veulent se montrer. Thauvin d'autant plus, parce que Thauvin, pour l'instant, il n'a pas eu sa place en équipe de France. Thauvin, l'Euro, il peut faire une croix dessus. Alors, est-ce que Thauvin, ce ne serait pas plutôt un problème de revenir après sa blessure parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a eu sa blessure et que oui. J'ai l'impression qu'il a du mal à s'en remettre. Il a eu un ou deux bons matchs au début, à son retour, parce que voilà, il était chaud patate, il avait trop envie. Mais là, maintenant, c'est le néant, mais le néant complet. Le coup du contrôle raté. Je suis désolé, Tom. Tu peux me dire ce que tu veux, le staff, hein, ou même Jérémy, vous pouvez me dire que c'est le staff qui les prépare mal ou quoi. C'est au joueur d'être concentré. Il sait qu'il est en Ligue des Champions. Il sait qu'il est là pour faire des résultats et qu'il est là pour aussi se montrer. Mais il se montre de quoi? Là, Thauvin, il part à la fin de la saison, il n'y a aucun problème. Hein. Il peut partir gratuit, il n'y a aucun problème. Hein. Avec ce qu'il nous a montré ce soir, bah, franchement, on ne perd rien. Hein. Ah, mais Akira, on est entièrement d'accord. Hein. Je veux dire, la responsabilité, c'est le joueur en numéro 1. Ouais, c'est juste ouais. Pour... Peut-être psychologiquement, derrière, tu as le staff qui peut-être les amène pas, en tout cas dans les déclarations officielles de match, ils ne les amène pas forcément là-dedans. Il y a plusieurs facteurs, de toute façon. Déjà, il y a le fait qu'on n'a aucun match pour se remettre en confiance, parce qu'on a deux matchs qui ont été reportés, et en Ligue 1, on va dire, qu'on le veuille ou non, c'est un moyen pour nous mettre en confiance aussi. Quand tu joues contre des équipes qui sont très faibles, comme le RC Lens, par exemple, à domicile, ça te permet plus ou moins de te remettre en confiance. Et là, si on veut, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas joué. Tout ça, c'est compliqué. Après, pour Thauvin, je suis comme toi, Akian. Toi, tu disais, il ne va sûrement pas aller à l'Euro. Moi, je vais te dire, c'est pas un scoop, hein, mais pour moi, c'est impossible qu'il aille à l'Euro. Parce que Deschamps, il n'est pas bête. Hein. Deschamps, il a vu les matchs de Ligue des Champions. On s'est dit, tiens, là, ça va être le moment de voir Thauvin en Ligue des Champions. On va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Non, mais après... Après, il ne faut pas non plus exagérer. T'as des Thuram, c'est leur premier match en Ligue des Champions. Ils te claquent des triplés contre Donetsk, contre le Real Madrid, contre tout ce que tu veux. Oh. T'as d'autres joueurs français qui éclatent en Ligue des Champions. Et derrière, t'as Thauvin qui galère contre l'Olympiakos et Porto. Non, mais après, ça c'est non, mais c'est un peu exagéré quand même. C'est un peu exagéré de réduire Thauvin à ces matchs-là. Non, mais tu parles depuis tout à l'heure. C'est un peu compliqué, c'est un peu dommage de réduire Thauvin à ça quand même, parce que Florent Thauvin, c'est un joueur qui nous a porté depuis très longtemps, pas en Ligue des Champions évidemment vu qu'on n'y était pas, mais même en Europa League, Florent Thauvin, il nous avait bien aidé, il avait été buteur, et pas contre des équipes qui sont éclatées non plus, hein. On parle de Leipzig, on parle de Salzbourg, on parle d'équipes qui aujourd'hui sont des équipes de Ligue des Champions, qui étaient en même temps que nous en demi-finale de l'Europa League. Donc leur progression a été peut-être plus constante, mais au final, c'est des équipes qui étaient de haut niveau.
Mais on ne peut pas demander à Thauvin, dans une équipe qui est inoffensive, d'être le seul à être bon devant. C'est un peu... Surtout dans la Ligue des Champions, c'est difficile. C'est quasiment... Ça n'existe pas, une équipe qui est forte grâce à un seul joueur. Ça n'existe pas. On ne peut pas demander à Thauvin de faire la différence tout seul dans cette équipe. Ou demander à Payet de faire la différence tout seul en Ligue des Champions. Ça n'existe pas en Ligue des Champions, ce genre de choses. Bon, alors, ça peut exister quand tu affrontes Ferencváros et que tu as... Mais là, on a affronté des équipes qui ont quand même l'habitude de la Champions League, l'Olympiakos et le FC Porto. Mais comme j'allais dire, Thauvin, et il n'y a pas de honte à dire ça, moi, si j'avais été footballeur, je serais bien content d'être au niveau que je vais dire, c'est-à-dire que Thauvin, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Très très bon. C'est même, on va dire, en joueur de Ligue 1, c'est le meilleur, si tu veux. Si je ne te compte pas les joueurs qui sont bons en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr. Mais faut pas oublier qu'il sort quand même de quelques saisons. C'est vrai aussi. Il y a tout qui prouve ça. Vas-y, Akian. Juste pour te dire, Tom, il sort de quelques saisons où ça a été l'Olympien de l'année. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci sur ce point. Je suis d'accord avec toi. C'est un très bon joueur de Ligue 1. Je n'irai pas jusqu'à dire un excellent, mais un bon joueur de Ligue 1, voire très bon, pourquoi pas. Quand il est dans ses bons moments. Là, il faut quand même admettre qu'il ressort d'une blessure qui n'a pas été anodine. Beaucoup semblent oublier. Je pense qu'il a du mal à s'en remettre et on est dans la saison où il ne va rien se passer pour lui. D'autant plus que quand tu n'as pas de supporters pour te pousser, et surtout quand tu joues à Marseille, ben c'est compliqué. Je suis prêt à l'entendre, ça, il n'y a aucun problème. Mais Thauvin, ce soir, je suis désolé, il ne fait rien et il ne mérite même pas un point en termes de notes, parce qu'il rate des contrôles à l'appel, il fait des passes à son pas du tout dans le timing, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien, il n'a pas de vitesse, il n'a rien, il est à la rue. Et ça tombe bien que tu parles d'une note attribuée à Thauvin, parce que là, bon, on va passer au top, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de flancs Thauvin dans les tops, mais bon, peut-être qu'un d'entre vous sera assez fou pour le mettre. En tout cas, voilà, on va passer au top, et comme d'hab, je vais vous donner les miens, et j'en ai pas vraiment, hein. Enfin, j'en ai un, on va dire 0,5, j'ai deux remplaçants, Benedetto et Payet, ils m'ont fait quand même... Ça m'a fait plaisir de les voir aussi engagés, surtout Payet, d'avoir très envie comme ça, mais surtout... Ça m'a fait du bien, voilà. On a vu que Payet, quand il est rentré, il a tenté de se mettre dans son match. Le seul top, c'est pas vraiment un top, hein. C'est un moyen top, mais c'est pour sortir un joueur du 11. C'est Enrique que j'ai bien aimé dans ses provocations et surtout offensivement, c'est-à-dire que c'est le seul qui a apporté du danger, si on peut appeler ça du danger dans l'équipe. Voilà. Après, c'est pas un top, mais c'est un semi-top. Top. De quoi, en top, t'as mis Luis Enrique ? Je vais répéter ce que je viens de dire. J'ai dit que c'était pas un top, mais un semi-top, et que c'est le seul qui a apporté du danger offensivement. Bah, je suis pas d'accord. Moi, je l'ai vu perdre beaucoup de ballons. Après, moi, je le critique pas, parce que son premier match, sa première titularisation, c'est en Ligue des Champions. Pour moi, il a rien prouvé. Je l'ai vu rien faire, moi. Le seul truc qu'il a fait, c'est une talonnade pour Germain. Bon, c'est bien. Mais bon, pour moi, il n'a rien fait. Mais après, en top, pour moi, il y a Benedetto, Payet. Voilà, Payet, parce que bon, même s'il a joué en marchant, il n'a pas eu beaucoup de déchets. Toutes les passes qu'il a faites, elles ont porté du danger, surtout au début. Et Benedetto, quand je veux le nom, il s'est créé trois occasions, et trois occasions franches. Non, une seule poteau. Ouais. Un poteau et un petit filet. Mais voilà, après tout le reste, on va passer au flop après, mais voilà, ouais. Je vois pas d'autres top comme ça. Sanson, que j'ai trouvé un peu mieux. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est ses contrôles orientés. Ça veut dire qu'il commence à peut-être repartir sur la bonne route, mais bon, ça reste quand même loin de ce qu'on attend de lui. Sincèrement, j'ai du mal à entendre ce que vous dites par rapport au top. Pour moi, c'est une section qui aurait dû se faire à peu près 10 secondes. Étant donné que là, on est en train de faire les notes pour nos articles, les gars, pour nos auditeurs, ils savent comment on fonctionne. Demain, il y aura les notes qui sortiront. Il n'y a pas un seul joueur qui est au-dessus de 5. Comment on peut parler de top? Alors, oui, mais c'est pour ça. Mieux que d'autres, effectivement, mais il n'y a pas de top. C'est pour ça que j'ai parlé de semi-top. C'est réglé. Ouais, non, mais c'est même pas des semi-top, c'est zéro. Ce soir, il n'y a aucun joueur qui est sorti du lot, qui est au-dessus de 5. Donc déjà, ça, c'est réglé. Il n'y en a pas beaucoup qui sont au-dessus de 4, déjà. Donc déjà, pour moi, les tops, c'est réglé. Enfin, il n'y en a pas. Ce soir, ce qu'ils nous ont montré,
il n'y en a pas un qui mérite qu'on lui dise que c'était un top. Même le Mino, sur qui d'ailleurs on ne va pas juger, tu as raison Tom de le dire, sur Henrique, parce que ce n'était pas lui qu'on devait regarder hein, principalement ce soir. On devait regarder un peu s'il allait essayer de produire du jeu, etc. Je trouve que c'est l'un de ceux qui a essayé le plus sur son côté. Il a essayé plus que Thauvin, en tout cas. Bon, donc voilà, il a raté, beaucoup raté. Mais c'est normal, avec son âge, c'est logique. Ce premier match de Ligue des Champions, à l'âge qu'il a, moi je comprends qu'il soit foiré, mais il y a d'autres joueurs à son âge qui par contre ne se sont pas foirés. Ça déjà c'est un petit indicateur. Mais comme il joue dans une équipe qui est totalement, on va dire, nulle, c'est compliqué aussi. On va dire qu'on peut lui aussi lui mettre ça à son crédit. Mais moi, pour moi, ce soir, il n'y a pas de top, zéro. Ouais, je suis assez d'accord. Porto. Oui. Je mets Porto et je mets comme ça. Porto, je te trouve très généreux. Hein. Porto, je trouve très généreux. Son système de jeu a très bien fonctionné. Oui, à la rigueur. Donc voilà, je mets compte, c'est ça. Ouais, bon, à la rigueur, le. Sur les réseaux sociaux ou à la télé, parce que eux, ils étaient là, le public. Nous, on était là. Et, ouais. Bon, bah, et Dimeco. Ouais. Voilà, je mettrais Dimeco aussi. Hein. Ouais, voilà, ça me va, pas de problème. Voilà, Dimeco et bon, Paul et Jérémy, vous avez quelque chose à ajouter sur les tops ou sur des semi-tops? Ouais, bah, écoutez, moi, je vous rejoins totalement. Hein, je suis du même avis que vous. Forcément, c'est impossible de choisir un top ce soir. À la limite, on peut élire le moins pire des 11 joueurs qu'on a vus, enfin, les 15 joueurs qu'on a vus côté marseillais ce soir. Je dirais qu'il fallait Germain. Germain, parce qu'on l'a vu... avoir de l'envie, on l'a vu se créer des occasions, donc même s'il en a fait mis au fond, et voilà, c'est par dépit, je dirais Germain. C'est vrai que Germain, il a été bien actif, et c'est juste ses limites footballistiques en fait qui sont ressorties, mais c'est vrai que dans l'engagement, même dans la tactique, dans l'utilisation, c'était peut-être aussi un des seuls qui s'est démarqué. Jérémy, est-ce que tu as un truc à ajouter ou... Ah, évidemment qu'il y a un top, les gars. C'est l'arbitre de touche. Ah ouais, l'arbitre de touche. Quand même, un petit peu dans les tops. Et après, dans les semi-tops des joueurs, pour que tu aies un peu de temps, il y a Germain quand même là, qui a été disponible, on vient d'en parler, qui est une tête. Ok, c'est pas le meilleur de nos joueurs, mais en tout cas, à chaque fois qu'il joue, il est meilleur que ce que Bébé Lépo a fait depuis le début de la saison. Et après, il y a quand même Valentin Rongier. Très peu de déchets, qui a été un des meilleurs au milieu. Évidemment, il était un peu seul, mais voilà, c'est un des meilleurs. Pour moi, au milieu de terrain, voilà, un des moins pires. Paul, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, juste, je finis rapidement. Je voulais juste dire que j'avais, comme vous, aimé l'entrée de Payet et celle de Benedetto. J'ai trouvé qu'on a été un petit peu meilleur, ou je dirais moins pire, après leur entrée. Et aussi, je voulais aussi saluer la prestation de Henrique, parce que certes, il a raté beaucoup de ballons, certes, il a été en jeu plusieurs fois, mais au moins, le danger est venu de lui. C'est-à-dire que, voilà, on l'a vu souvent déborder sur son côté, la vitesse, de la percussion, c'est ce qu'on attendait de lui à son jeune âge. Il ne peut pas plus espérer d'un joueur comme ça. Et enfin, le dernier joueur qu'on pourrait saluer, et encore, c'est Mandanda, parce que, voilà, pour le second but, c'est un penalty, on l'a, il va l'arrêter. Pour une fois, il n'est pas parti à contre-pied. Hein. C'est ça. Et sur le premier but, voilà, il était en train de balayer sur une frappe. Le rebond, revient dans le pied de l'attaque en portugais. Donc voilà, il ne peut rien faire sur les deux buts. Donc à la limite, on peut dire Mandanda, même s'il n'a pas eu d'autres arrêts à faire. Ouais. Et ben, vous avez quoi, vas-y. Je comprends pas. Alors peut-être qu'on n'a pas vu le même match, ou peut-être que je sais pas, mais pour Henrique, je sais pas où est-ce que vous l'avez vu bon. Alors peut-être que maintenant réussir une talonnade, c'est être bon, c'est être partir dans les flottes, dans les tops. Mais bon, je pense qu'il a eu, allez, je sais pas au total, il a eu peut-être une dizaine de ballons. Sur la dizaine de ballons, il a eu 5 ou 6 qui étaient abordables avec quelque chose à faire. Et sur les 5 ou 6, il y en a qu'un qui a fait quelque chose de bien, c'est la talonnade. Sinon après, il a rien fait. Enfin, vous me dites, il a créé du danger, il n'a rien créé du tout. En fait, il est rentré en 2 ballons, il a créé plus d'occasions qu'Henrique tout le match. Mais attention, quand je dis ça, je ne critique pas, parce que c'est son premier match titulaire, et en plus en Ligue des Champions, voilà, je ne critique pas du tout, mais il faut arrêter aussi de dire qu'il est bon. Voilà, donc pour moi, je n'ai rien vu de mieux que ce que fait Radjonić habituellement, si tu veux. Voilà, je te trouve très dur. Et puis, surtout que là, il a vu des ballons comme Radjonić. Pareil, il fait exactement pareil que Radjonić.
Non, il court pas tout droit, il essaie de dribbler, c'est différent. Je suis désolé les gars, on va arrêter avec les semi-tops ou flops là, de, comme vous dites avec Enrique. On va passer au flop justement et on va avoir peut-être beaucoup plus de choses à dire sur les flops. Comme d'hab, je vais donner les miens en premier, même si ça va être très compliqué d'en choisir un ou deux. Je regarde mes notes et finalement, ceux qui ont les moins bonnes, c'est Sakai. Ça me fait du mal de mettre Balerdi parce que j'avais bien aimé ses matchs jusque-là, mais c'est vrai que Balerdi n'a pas fait un bon match du tout. Et moi, celui qui m'agace beaucoup dans cette Ligue des Champions, c'est Valentin Rongier. Dans l'utilisation du ballon, je le trouve inutile, inintéressant, catastrophique. Franchement, j'aurais des choses à dire sur tous les joueurs, mais on n'a pas le temps pour ça. Donc je vais laisser Jérémy passer à ses flops. En tout cas, voilà, s'il y en a trois que je devais ressortir, c'est Sakai, comme d'habitude, Balerdi et Valentin Rongier. Ben, je vais essayer d'être rapide, mais Sakai, tout à l'heure, je crois que c'est Sam qui en parlait, un petit combiné avec Thauvin, il était tout le temps en retard. C'est-à-dire que même quand Thauvin, une fois, il essaie de doubler avec lui, la balle finit en touche. Quoi. Et il n'est jamais là, il n'est jamais là. Alors, c'est pas possible de continuer comme ça avec Sakai. C'est un truc de fou. Au milieu de terrain, Camara, même si je ne vais pas être trop méchant, il est quand même sorti à la 59e. Il fait un match avec. Je crois plus de 30% de passes ratées. Enfin, je veux dire, il a été très très mauvais dans l'utilisation du ballon. Il a fait des diagonales qui ont fini en touche. Je veux dire, il n'a pas pesé, contrairement à d'habitude. Et ensuite, Luis Enrique, mais arrêtez, on n'a pas vu le même match. C'est pas possible. Luis Enrique, mais pourquoi tu ne mets pas Marley Aké? Franchement, quitte à faire ça. Mais Marley Aké, Luis Enrique, il coûte 1 million d'euros. Il empêche les jeunes de jouer. Et il a fait quoi? Il n'a rien fait. Parce qu'il tente 3 dribbles, c'est le meilleur joueur du match. Mais il faut arrêter. Luis Enrique, c'est pas possible. Je comprends qu'il n'ait pas joué jusqu'à présent. Quoi. Moi, je partage l'avis de Tom, que tu as dit tout à l'heure, Tom. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut lui laisser du temps. Mais ce n'était pas un cadeau plutôt que de faire jouer là. Alors, quand tu dis que c'était un flop, non. Ça ne peut pas être le flop, en tout cas. Il ne peut pas rentrer dans les flops. Qu'il ne soit pas dans les tops, c'est normal, il n'y a aucun joueur qui le mérite. Mais alors, pour Enrique, on ne va pas repartir sur le débat, mais voilà, il est jeune, c'est peut-être pas le mec à jouer, à mettre ce soir à ce poste-là. Mais en tout cas, AVB a choisi de le mettre là. On en parlera donc tout à l'heure, parce que c'est un choix d'AVB, justement. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Par contre, moi, sur mes flops, moi, je note tout le côté droit, c'est-à-dire Sakai et Thauvin, déjà, pour sûr. Parce que c'est inadmissible qu'ils nous ont produit tous les deux. Ils ne sont jamais dans le même timing alors qu'avant c'était le cas. Je pense que je ne peux pas dissocier l'un sans l'autre parce que pour moi, ce soir, les deux méritent la même note quasiment de ce qu'ils ont fait. Je mets le milieu de terrain dans son ensemble. Je mets juste Camara, Rongier, Sanson qui pour moi, sur le papier, doivent produire beaucoup plus de choses qu'ils ont fait ce soir. Pas assez de présence au milieu, pas assez de décrochage. Ils ne font pas les bons appels, ils ne font pas le jeu en avant comme il faudrait, ça revient souvent derrière. Il y a beaucoup de choses qui me manquent. Tout à l'heure, j'ai entendu que Sanson avait fait un contrôle orienté, j'espère que vous l'avez noté sur le calendrier quand même, parce que quand ça arrive, on le note, hein, voilà, c'est important. Et puis l'autre que je vais mettre, et puis je suis désolé, même si jusque-là, ce n'était pas trop dégueulasse, mais bon, il faut quand même le mettre. À 11 contre 10, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait, donc Balerdi, tu la prends, ta biscotte, tu dégages, tu rentres au vestiaire, prends ta douche, et surtout, t'apprends. Parce que ça, à l'âge que tu as, alors ok, il est jeune, pas de problème, mais j'espère que c'est la dernière fois. Parce qu'à 11 contre 10, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait, il n'a pas le droit. Surtout qu'il n'y a aucun danger, le mec est excentré, il ne se passe rien, putain, sans déconner. Et puis la quête en timing aussi, s'il n'était pas en retard comme à chaque fois dans tout le long du match. Donc oui, il rentre dans mes flops. Voilà. Franchement, c'est pour en sortir quelques-uns. Ouais, mais c'est dur. On peut mettre les autres, hein. Franchement, on peut mettre les autres. Mais déjà, pour cela, je pense que c'est bien mérité. Voilà, bien, bien mérité. Alors, pour moi, il y a 11 flops, évidemment, mais je vais en citer 5 prioritaires selon moi. Et je vais commencer par 1. Ça va vous surprendre sûrement. C'est Mandanda, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à m'énerver qu'à chaque pénalty, il nous donne toujours espoir de l'avoir. On se dit, ah, il part du bon côté. Ah, merde, et il a pris. Tous les pénaltys, c'est comme ça. Il part toujours du bon côté. Alors, tant mieux, c'est bien. Mais au final, il y a toujours but. Au bout d'un moment, c'est pas un hasard. S'il n'arrive pas à toucher le ballon ou s'il n'arrive pas à stopper le ballon, Pelé, il part toujours du bon côté, il arrête. Mandanda, il part toujours du bon côté, il ne se passe jamais rien. Donc, il y a Mandanda, ça commence à me gonfler qu'il n'arrête jamais aucun penalty. Il y a juste la saison 2013-2014 où il a arrêté tous les pénaux. Depuis, il a fait grève. Ensuite, il y a Balerdi parce qu'il a quand même fait un bon match, entre guillemets, hein, évidemment, mais jusqu'à
sa faute qui sert à rien, parce que Mariga, ça a beau être un très bon attaquant, il aurait absolument rien fait sur cette action, il était seul. Au pire des cas, il aurait tenté une frappe inespérée et il n'y avait qu'une chance sur mille de marquer. Et il vaut mieux avoir une chance sur mille de marquer que, ben, que de provoquer un penalty où tu as pratiquement 9 chances sur, voire 10 chances sur 10 de marquer face à Mandanda. Ensuite, il bon, y a Rongier qui a été moins pire que d'habitude, mais qui a quand même été mauvais. Ensuite, il y a Thauvin. Et c'est là que justement Thauvin, bon, j'en ai déjà assez parlé. Et tout à l'heure, vous citez Sakai. Pour moi, si Sakai aussi n'est pas bon, c'est parce que Thauvin n'est pas bon. Et à chaque fois que Sakai a été bon, c'est parce que le mec à droite. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Pour moi, c'est l'inverse. Où on va en Europa League, où Thauvin est extraordinaire. Eh ben Sakai, quand il joue, il n'est pas extraordinaire, mais il fait le boulot. Là, il est meilleur individuellement. Le seul ballon qui lui sert, c'est quand il sait plus quoi faire, il sait plus à qui la passer. On remet en retrait sur Sakai. Il n'y a aucun bon ballon pour Sakai. Après, il ne fait pas les bons appels aussi, peut-être. Mais il n'est jamais là. C'est même pas qu'il ne fait pas de bons appels. C'est qu'il ne fait pas d'appels tout court. Il y a Enrique, pour moi, il n'a pas été bon aussi. Je le répète, c'est pour moi, j'ai rien vu de mieux que Radjonic. Pour moi, il n'a absolument rien prouvé. Et c'est mentir que de dire qu'il a été bon, tout simplement. On n'a jamais dit qu'il a été bon, on a dit qu'il avait été un des moins pires et qu'il était le seul à apporter du danger offensivement avant l'entrée de Payet et Benedetto. On va finir avec Paul. Aucun danger. C'est quand même. Ouais, bah moi comme vous, je vais citer les mêmes points. Forcément, Thauvin, voilà, qui n'a pas proposé beaucoup. Le côté gauche avec Amavi, franchement, c'est compliqué. Balerdi, pareil. On se demande ce qu'il faisait là. Parce que voilà, Balerdi à 1-0, on est à 11 contre 10. Payet et Pipa font une bonne entrée. On peut espérer, pourquoi pas, sur un miracle, Galizé et Balerdi fout le match en l'air. Voilà, avec penalty, carton rouge, 2-0, le match est plié. Alors qu'avant son expulsion, on aurait pu, pourquoi pas, prendre un point, espérer avec un miracle marqué. Mais sinon, ouais, forcément, toute la défense flop. Et je dirais aussi le milieu de terrain, parce que voilà, ce milieu de terrain à 3, on le voit depuis maintenant une saison et demie. Et là, c'est un ras-le-bol. J'en ai marre de ce milieu qui ne fait rien, qui ne propose rien. On ne voit aucun jeu avec ces trois-là. Pourtant, Dieu sait que j'aime beaucoup Camara, mais avec Rongier et Sanson, ce n'est pas possible. Alors, individuellement, les trois, c'est de très bons joueurs, mais quand ils sont associés dans un 4-3-3 comme ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On se prive de trois bons éléments. Et on gâche tout à cause d'un dispositif que ABB ne veut pas changer. Et c'est un dispositif qu'ABB ne peut pas changer. Et c'est parfait que tu me dises ça parce qu'on va pas justement passer au coach olympien. Alors moi, j'ai envie de vous amener quelque part. Tom, il en a un peu parlé tout à l'heure sur ABB. C'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait donné une interview à l'équipe avant le début de la Ligue des Champions. Et il avait dit, si on sent que la qualification ne sera plus possible... je ne perdrai pas mon temps et mes joueurs avec la Ligue des Champions. Aujourd'hui, il a aligné une équipe avec Luis Enrique, il a aligné une équipe avec Leonardo Balerdi et il a aligné aussi une équipe sans Mikel Cuisance, qui pour l'instant pointe pour moi en tout cas le bout de son nez pour une place de titulaire. Alors, oui, une équipe avec Valère Germain, comme le dit Tom à l'écrit. C'est vrai. Et donc, est-ce que finalement, cette composition d'équipe, elle n'était pas là pour dire on a lâché, on laisse quand même quelques titulaires, voilà, quand même, il ne faut pas non plus qu'on perde complètement la face. Mais finalement, les titularisations de Enrique, Germain, Balerdi et Morgan Sanson, Valentin Rongier, elles sont là pour nous dire finalement oui, on a lâché et on n'a pas envie de fatiguer les joueurs pour la Ligue 1. Paul. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi parce que, en fait, je vais te dire pourquoi. Contre Porto, au match aller, on prend 3-0, on a fait un match honteux, encore pire que celui-ci. Donc, forcément, il a voulu changer. Voilà, il a vu que Benedetto et Payet, ça ne marchait pas. On ne peut pas lui reprocher d'essayer autre chose. Parce que franchement, rappelez-vous, après le match de Porto, on a tous dit « Qu'est-ce que foutent encore sur le terrain Payet et Benedetto ? Pourquoi ils sont encore alignés ? Pourquoi ils sont encore titulaires ?» Là, il a eu la bonne idée de changer. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Mettre Germain, qui est en manque de temps de jeu, enfin, qui n'a pas de temps de jeu en ce moment, et qui, à mon avis, est revanchard, qui a envie de jouer, c'était pour moi une bonne idée. Et pareil, Enrique,
n'a jamais été titulaire, il fallait le lancer à un moment. Voilà, aujourd'hui, forcément, on perd 2-0. Mais pour moi, il fallait lancer. Pour moi, l'attaque Thauvin, Enrique, Germain, c'était celle qu'il fallait mettre ce soir. Ouais, bon, franchement, ces discours-là, ça, enfin, pour moi, Villas-Boas, en composant l'équipe ce soir, il s'est dit la Ligue des Champions, on s'en fout. Voilà. On est ridicule, ben on va essayer d'être moins ridicule. Je vais leur dire de faire du pressing, tout ça, mais on va pas me faire croire que Villas-Boas avait l'intention de gagner ce match avec Enrique Germain. Parce qu'au final, quand tu as une attaque Enrique Germain, tu te dis Enrique, sur la vitesse, sur un malentendu, ça peut faire quelque chose. Sauf que Porto, il joue bloc bas. Et au final, en fait, il te reste que Thauvin pour faire la différence. Sauf que Thauvin, il est même pas en forme. Et au final, ça se voit qu'il s'en fout un peu. Dès qu'il a eu l'occasion de sortir Thauvin, il a sorti, quoi. Donc, ça prouve que voilà, il préserve ses joueurs pour la Ligue 1 et il a peut-être raison. Voilà. Ouais, je te réponds juste rapidement parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis que AVB a un petit peu mis de côté cette compétition et a un peu joué uniquement la Ligue 1. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas pour moi un manque d'envie. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le niveau. Et donc, forcément, ça se ressent, voilà, on produit aucun jeu, mais c'est pas un manque d'envie. Je pense que ABB a voulu faire honneur et je dirais a voulu produire du jeu, mais c'est impossible avec les joueurs qu'on a et face aux équipes contre qui on joue, c'est impossible de faire bonne figure. Donc c'est pas forcément un manque d'envie ce soir, et pour moi, c'est pas la responsabilité d'ABB. Alors si on produit encore sur plusieurs matchs ce niveau de jeu en Ligue 1, là je dirais d'accord, il y a quelque chose à. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Mais là, pour moi, c'est pas l'envie qui fait la différence ce soir. Ouais, clairement, la composition d'équipe, tu peux en aucun cas la remettre en question. En défense centrale, Balerdi, il est titulaire à la place de Tchaï Tatsar parce qu'il fait un match catastrophique la dernière fois. Et tout simplement, tu es obligé de mettre Balerdi parce qu'il a été nul sur le match à Porto. Au milieu de terrain, tu mets tes trois meilleurs, entre guillemets. En attaque, je suis désolé, mais voilà, Benedetto. Il est bon, il avait besoin peut-être de se reposer. Valère Germain, sur un coup de pied arrêté avec son jeu de tête, il peut largement faire la différence dans un match fermé comme ça. Luis Enrique, c'était un pari. Bon, le pari, pour moi, il n'a pas tenu, mais c'est pas grave. Tu sais que derrière, tu as Payet qui va rentrer. Donc la composition d'équipe, non, elle n'avait pas été mise parce que la compétition a été lâchée. Moi, ce que je regrette, par contre, c'est que, je vous le redis, on n'a pas joué en 4-3-3. Sur les phases offensives, c'était un 4-2-3-1 et je suis désolé, Morgan Sanson, c'est pas un numéro 10. Dans ce cas-là, il fallait peut-être mettre Payet parce que tu as vu Rongier et Camara qui étaient seuls au milieu de terrain. Tu ne pouvais pas construire ton jeu avec seulement 10 milieux de terrain. Et voilà, et puis quand tu défendais, tu étais en 4-4-2. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Morgan Sanson, il était à côté de Benedetto. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu sur la majorité du match. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais au-delà de la composition, c'est toujours le dispositif actif. Pour moi, pas de problème. Pour moi, c'est l'animation. Tu es celui de ceux qui, pour l'instant, ont parlé. Tu dis animation, oui, la tactique et aussi l'animation. Pour l'instant, Jérémy, de ceux qui ont parlé jusque-là, qui se sont exprimés, tu es celui qui se rapproche le plus de ce que moi, en tout cas, je pense. Je ne dis pas que je détiens la vérité, loin de là. Mais alors, Tom, dire qu'AVP, il a mis une composition en disant « Allons-y, on s'en fout de la Ligue des Champions, mais mec, mais sans déconner. Mais ça se voyait ce soir qu'il a envie de faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, faut le travailler aussi à l'entraînement pour que ça fonctionne. C'est que là, AVP, moi je suis désolé, il profite vraiment, mais vraiment, de ce qui s'est passé la saison dernière, d'accord ? Parce que franchement, il n'y aurait pas eu le Covid, je ne suis même pas sûr qu'on y serait en Ligue des Champions, en toute franchise. Et je suis un Marseillais, hein, d'accord ? Et je pense qu'on y serait fini un peu comme la saison à Bielsa, où on aurait, sur la fin, on aurait un peu chuté, d'accord ? Donc pour moi, on n'aurait même pas été en Ligue des Champions, à la base. Vraiment, c'est ce que je pense. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé. On n'est pas devin, ça s'est passé comme ça s'est passé. On est en Ligue des Champions. Mais pour moi, il profite de ça. Donc, quand il a dit, c'était à deux doigts où il part ou quoi, on était tous là. Ouais, faut qu'il reste. Il s'entend bien avec les joueurs. Ils sont copains, etc. Au jour d'aujourd'hui, AVB, je sais pas s'il est copain avec le vestiaire. En tout cas, il est pas copain avec les supporters. En tout cas, pas avec moi. AVB, d'accord. Et qui dégage loin de mon club. Parce que ce qu'il fait avec mes joueurs, je sais pas. Je sais pas comment il les entraîne. Je sais pas. Mais moi, sincèrement, j'ai vu des coachs faire deux mecs, c'était des chèvres. Il en a fait des dieux du football. Ils sont partis, le coach n'était plus là. C'est redevenu des chèvres.
En tout cas, ils ont appris. Ils se sont devenus de nouveaux joueurs. ABB, il faut qu'il parte, qu'il arrête. Ce soir, ce qu'il a fait, c'était... Il n'y avait rien. On n'a rien vu. Je m'ennuyais tellement que je lisais ce qui se passait à côté. J'avais le match en fond. Quand tu as un match qui te fait bander, quand tu as un match où tu es au taquet dessus, quand tu as un match où vraiment il y a de l'action, du rythme, etc., de l'intensité, je sais pas, tu es scotché devant, tu peux rien faire à côté. Tu peux absolument rien regarder à côté. Là, ma parole, j'avais plus les yeux rivés sur autre chose, d'accord, que sur le match. Tellement je me suis fait chier. Et ça, c'est OK, il y a les joueurs. Mais à la base, c'est qui leur inculque les joueurs, le schéma tactique, le projet de jeu, etc. C'est qui? C'est le coach. Donc aujourd'hui, coach, et bien à un moment donné, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités, qu'il arrête de nous faire ses conférences de presse, où il essaye de nous sortir en ce moment, en plus il est un peu limite en ce moment. Et puis c'est top. Moi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, AVP, c'est stop. C'est fini. Et pourtant, j'étais de ceux qui voulaient qu'il reste. Mais là, c'est fini. C'est fini. Je suis désolé, ce qu'on voit depuis au moins, allez, ça fait au moins depuis le début de la saison, voilà, on va être honnête, est-ce qu'il y en a un ici qui est heureux de voir ce qu'il voit depuis le début de la saison? Dites-moi, qui est heureux de voir ce qu'on a vu? Moi. Non, je rigole. Non, mais non. D'accord, voilà. Non, mais si tu veux, moi je vais citer un grand philosophe marseillais qui s'appelle René Malléville, qui aime bien dire ça. C'est-à-dire qu'il disait ça pour Garcia, et je vais dire la même chose pour Villas-Boas, c'est-à-dire que Villas-Boas, il arrivait, on était dans la merde. Il a réussi à nous sortir de la merde. Là, il nous a remis dans la merde, donc il va savoir comment ressortir de la merde. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui, à la moindre crise, veulent dégager l'entraîneur. Voilà. Au bout d'un moment, il faut aussi rester les pieds sur terre. On ne va pas dégager. De toute façon, tu sais très bien. Tu sais plus que moi que, quoi qu'il arrive, il ne partira jamais, Villas-Boas, avant la fin de son contrat. Certes, mais c'est pas une crise. En fait, on a le jeu de l'année dernière, sauf que l'année dernière, on avait un peu de bol en Ligue 1 parce qu'il n'y avait que la Ligue 1, il n'y avait pas autre chose. Mais globalement, en Coupe, il n'a pas non plus été exceptionnel, en Coupe nationale, je veux dire. Loin de là, il a eu des résultats très moyens. Et je suis désolé, en fait, cette année, on reproduit ce qu'on a vu en janvier, février, l'année dernière. Donc en fait, finalement, il n'y a pas de crise. C'est juste la continuité de ce qu'on a vécu l'année dernière. Mais surtout pas d'amélioration, finalement. Vas-y, Paul. Hein. Non, au contraire, on régresse. Ah ouais, c'est vrai. Paul, t'es pas d'accord avec moi, franchement. Alors, on régresse pas, sincèrement. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Ah. Pourquoi? Pour moi, AVB, je le dis depuis le début de saison, pour moi, AVB, c'est pas le fautif. Ça servirait à rien de virer AVB maintenant. Il faut attendre la fin de saison. Pourquoi? Parce que, déjà, l'an dernier, tout le monde le suçait. Pardonnez-moi pour l'expression, mais ouais. Tout le monde le félicite. Lui lécher les bottes. Tout le monde lui lécher les bottes. AVB, meilleur que Bielsa, etc. Et là, et j'en fais partie. Voilà, et moi aussi d'ailleurs. Et là, d'un coup. Pas dire qu'il était meilleur que Bielsa, hein, par contre. Ouais, d'accord, mais certains me disaient. Et là, d'un coup, tout le monde le déteste. C'est le mec qui est responsable du jeu de l'OM en ce moment. Et tout le monde veut voir son départ. Alors que ça ne servirait à rien de le faire partir maintenant. Parce que voilà, on va chercher quelqu'un d'autre. Au mois de décembre, ça servira à quoi? On va être en phase de reconstruction pendant 3-4 semaines, voire plus au minimum. On va perdre des points en championnat, on aura un changement de coach, ça ne servira à rien. Et surtout, c'est parce qu'on est bien placé en championnat. Alors, à la limite, si on était mal classé en Ligue 1, je vous dirais, ok, on peut se poser la question d'un départ. Mais là, il n'y a rien à dire. On est quatrième, il me semble, avec deux matchs en moins. On est bien passé, on va jouer le podium. Et on est sixième. On devrait se qualifier en Champions League. Oui, mais on a deux matchs en moins. On a deux matchs en moins. Donc si on gagne, on est troisième des deux matchs. Alors, je te rejoins, Paul, en fait, dans le sens, OK, il ne faut pas qu'il parte maintenant. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il peut nous requalifier pour une Ligue Europa au minimum, voire peut-être même nous requalifier pour la Ligue des Champions. Attention, comme tu dis, on a deux matchs en retard. Donc là, sur ce principe-là, je te rejoins. Il faut attendre la fin de la saison. Mais par contre, à la fin de la saison, c'est stop. C'est stop, on arrête. Voilà. Enfin, je sais pas qui est pas d'accord avec ça ici, mais moi, pour moi, à la fin de la saison, on arrête. Okay, bah attends, pas de problème. On peut pas. Les arguments sont excellents, Paul. Hein, mais on peut pas dire aujourd'hui. On peut pas dire aujourd'hui que tu veux qu'il parte à la fin de la saison. On est en novembre. Bon alors, je suis d'accord avec tout ce que tu. Attends, Akian, attends. Oui, je t'as d'accord. Attends, je finis. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit par rapport à ce début de saison, hein, qui est vraiment catastrophique, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et même sur le plan comptable. Par contre, on ne sait pas comment la saison va évoluer. On a vu beaucoup d'équipes, hein,
se sortir de mauvais moments dans le jeu aussi par un niveau de jeu qui a augmenté. Et si sur le plan comptable ça suit et qu'au final on finit deuxième ou troisième à la fin de saison, Villas-Boas il partira pas. Hein. Je pense qu'il partira, il a pas ça m'étonnerait. Il faudra pas le faire partir à mon sens en fin de saison. Pourquoi? Parce qu'imaginez, on se qualifie encore en Champions League. Imaginez, on fait un bon parcours en Coupe de France. Ou même si on se qualifie en Europa League, on fait un bon parcours. Pourquoi on irait changer d'entraîneur? Ça n'a aucun sens. Et puis pour moi, Vas-y. Vas-y, Paul. Ouais. AVP n'est pas le fautif du jeu qu'on produit à l'heure actuelle. Pour moi, c'est pas assez bon. On ne peut pas produire mieux en Champions League à l'heure actuelle avec cet effectif. Alors, ok, en Ligue 1, certes, on pourrait faire mieux, mais pour l'instant, on gagne. Ça passe. Donc, certes, on se fait chier, c'est ennuyant, mais au moins, on gagne. C'est pas la manière, mais c'est comme ça. T'as pas le droit. C'était pareil avec les Libos. T'as pas le droit, Paul. On faisait que des victoires 1-0 avec les Libos, mais là, c'est pareil. Et au moins, on finit deuxième. Je vous rappelle qu'en 7 ans, on ne s'est jamais qualifié en Champions League. AVB arrive, hop, on est qualifié. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Donc pour moi, voilà, AVB n'est pas du tout à remettre en cause à l'heure actuelle, et même à la fin de la saison. Bon, moi je suis... Vas-y, Jérémy. Ouais, non, juste par rapport à AVB, je peux comprendre l'agacement de tout le monde. Hein. Franchement, on est tous d'accord sur le plan. On n'est pas satisfait de la manière dont l'équipe joue. Maintenant, tu peux pas, par rapport à 4 matchs de Ligue des Champions, puis il y a aussi la série en cours, voilà, de 13 défaites d'affilée qui jouent aussi. Le fait peut-être qu'on avait peut-être des ambitions avant la Ligue des Champions de se dire peut-être qu'on jouera la 2e ou 3e place, et au final, tu te rends compte que dans le niveau de jeu, tu es inférieur aux autres équipes. Mmh. Mais sur ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, même si, ok, le match, c'est pas bien ça, au niveau de la qualité des matchs, on est tous d'accord et on le regrette. Maintenant, il essaye de tirer le maximum de son but. Et juste si je peux dire, AVB, il partira à la fin de la saison. Mais il partira pas, même si on est qualifié en Ligue des Champions, ne vous inquiétez pas, il partira. Parce qu'il n'aura pas les arguments financiers de se dire, aujourd'hui, financièrement, on peut garder un Cuisance, on peut garder un Balerdi, on peut recruter un défenseur droit. Il sait très bien que si c'est pour refaire la même saison l'année prochaine, en cas de qualification en Ligue des Champions, il n'est pas assez fou pour dire, je vais rester. Et c'est ça qui est plutôt dommageable, c'est que même au-delà des résultats, c'est plutôt l'ambition sportive qui me fait dire que de toute façon, il ne restera pas, mais qu'il fera son maximum jusqu'à la fin de son contrat avec nous. Oui, de toute façon, il y a quelque chose dans le football moderne. Et au bout d'un moment, il faut aussi que l'OM s'adapte au football moderne, ce qu'on n'a jamais fait, depuis que ce soit avec McCourt ailleurs, c'est qu'il faut un entraîneur sur le long terme. Alors oui, maintenant qu'on a vu Villas-Boas, évidemment, je peux comprendre ta frustration à Caen, parce que je la partage tout simplement. Mais par contre, voilà, au bout d'un moment, dès que les résultats vont pas, on va pas toujours demander la démission d'entraîneur. Au bout d'un moment, c'est chiant. Au bout d'un moment, il faut de la stabilité. Non, mais je comprends. Il faut des entraîneurs qui sont habitués à être ici et qui, voilà, à chaque fois, je me rappelle avec Garcia, on demandait sa démission dès la première saison. Au final, il nous a conduit en Europa League, on s'est régalé. Si le président nous aurait écouté, nous avait écouté, peut-être qu'on n'aurait pas fait cette finale de Ligue Europa. Peut-être que à Caen, merde, j'allais dire à Caen. Il y a les gens qui, à la moindre crise, vont crier au loup et vont demander la démission, etc. Moi, ce que je remarque, c'est que je faisais partie encore de ces gens-là qui étaient pour qu'il reste. Tom, ton micro. J'étais pour vraiment que par rapport à un moment où il a voulu partir, etc., le départ de Zoubi, j'étais vraiment pour qu'il reste. Mais là, je me rends compte que malgré la préparation, les nouvelles jeunes recrues, je me rends compte que finalement, dans le jeu, il n'y a rien qu'à changer. Mais absolument rien. Et c'est triste. C'est ça qui me rend compte. En Ligue 1, ça n'a pas changé. On gagne certains matchs, comme tu dis, à la limite, comme vous avez dit, comme un peu à la Deschamps, mais sauf qu'on ne finira pas champion comme Deschamps, malheureusement. Je pense même que le trophée des champions, on va le perdre et on va prendre une grosse toile. Ça encore, on verra. On s'en fout. Et en Ligue des Champions, on est mais pathétique. Sincèrement, pathétique. Enfin, ce qui se passe, c'est pas normal. On n'a pas mis un but, putain, Tom. Pas un but. Je sais pas, quoi, à un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question. Ok, il y a les joueurs, mais le coach, à un moment donné, c'est lui qui fait les séances d'entraînement.
c'est lui qui fait la composition d'équipe et c'est lui qui fait comment dire l'émulation autour de tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Aujourd'hui, pour moi, j'estime qu'il n'y a rien. Oui, mais après, je veux bien, mais après, donc Villas-Boas, il s'en va la saison prochaine. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre Galtier. Galtier, il va arriver. Il va avoir du mal à s'adapter. Et il va faire quoi ? Il va faire un mauvais début de saison et on va encore demander sa démission. Au bout d'un moment, ça ne peut pas durer comme ça. Alors, soit on prend une décision, soit on vire Villas-Boas. Enfin, on ne garde pas Villas-Boas et on prend l'entraîneur. On est sûr de le garder sur le long terme, mauvais résultat ou pas. Ou soit on le garde et on se dit, il nous a sorti la merde, il va nous. Enfin, il connaîtra la recette. Au bout d'un moment, il faut un entraîneur qui sache, qui connaisse l'OM suffisamment, qui reste sur le long terme parce qu'il connaît l'OM et qui c'est avec lui, cet entraîneur, qu'on ira loin. Voilà, au bout d'un moment, il y en a marre que tous les 1 an et demi en chance de cote. C'est comme ça qu'on réussira jamais comme ça, de toute façon. Voilà, jamais on réussira. Et bah, on verra ça dans la suite de la saison. Et la suite de la saison, c'est tout de suite la reconcentration sur le match contre Nantes de ce samedi à 17h. Alors, que dire sur ce match ? Qu'est-ce que vous attendez de l'OM ? Est-ce que vous attendez encore une fois les 3 points, peu importe la manière ? Ou est-ce que vous attendez juste à bien jouer et peu importe le résultat ? Est-ce que vous avez des attentes sur ce match ? Ou est-ce qu'au contraire... finalement, c'est peu importe ce qui se passe. À Kian. Ah, ok. Je voulais pour une fois, pour le coup, ouais. C'est pour le commencer. Non, je vais faire court. J'espère juste, bien sûr qu'on va gagner, ça va de soi, mais que ce match de Ligue des Champions ne va pas jouer dans les têtes parce qu'on a besoin de rester au contact. En fait, le match contre Nantes, j'attends un match où on va rester au contact. Si je ne dis pas de conneries, Nantes est 14e à l'heure actuelle. Bêtises si ce que j'ai sous les yeux est bon. Je pense sincèrement qu'on a intérêt à gagner. Maintenant, là pour le coup, après le match qu'on vient de vivre, je vais pas regarder la manière. Mais il va falloir quand même à un moment donné se poser la question de comment on bosse à l'entraînement et comment en fait AVB fait pour que ses équipes perdurent sur le temps. Mais ça, on va pas en faire discours, c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, pour le match à venir de Nantes, ouais, vraiment juste prendre les 3 points pour rester collé. Avec nos 2 matchs en retard, on peut faire vraiment mal. Et c'est ça que j'ai en tête. Et je pars du principe que pour l'instant, les 6 points, on ne les a pas, des matchs en retard. Parce que, donc pour moi, pour l'instant, on est 6e point. Et donc, on a besoin de ces 3 points parce qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer sur ces 2 matchs en retard. On n'a pas de visibilité là-dessus. Donc, il faut faire 100 dans nos têtes. Et c'est ça qui est chiant avec les matchs en retard. Donc, voilà, j'espère juste gagner. Mais la manière, vraiment, pour le coup, je m'en fous. On sort d'une défaite en Ligue des Champions, quand même. Désillusion pour les joueurs. Comment ça va se passer dans leur tête ? Vraiment. Nantes, juste avant que Paul prenne la parole, Nantes qui a fait un partout hein, ce soir contre le Racing Club de Lens en match en retard de Ligue 1. Vas-y Paul. Ouais, je suis d'accord avec Akin, forcément on attend uniquement la victoire ce samedi, peu importe la manière, hein, parce que j'ai envie de dire, voilà, tant qu'on gagne, moi ça me va et ça conviendra à tous les Marseillais si on gagne, peu importe la manière, parce que voilà, on se souvient forcément, je vais parler de Bielsa, gagner des fois 3, 4, 5, 0, mais voilà, au final, on finit 4e, alors qu'avec AVB ou d'autres, on finit second, 3e, en gagnant des matchs 1-0, 2-0, on se lanchait, quoi. Mais attention, tout de même, parce que Nantes, voilà, ils sont pas si mauvais que ça en ce début de championnat. Et puis, ce match intervient 3 jours après celui de ce soir, où on s'était quand même un petit peu humilié. Donc voilà, attention tout de même. Et dans le jeu, j'espère voir quand même, enfin, quelque chose d'intéressant, quelque chose voilà, du beau jeu, un minimum, quoi. Quoi qu'on se fasse chier toute la saison. Ouais, c'est quand même triste hein, d'en arriver à ce point-là, de se dire ouais, on s'en fout de la manière, mais bon, ben, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Il faut les 3 points pour continuer à progresser au classement. Et je devais juste reprendre une banderole qui était affichée ce soir au stade Vélodrome. C'est on veut des loups, pas des chèvres. Voilà, ben, rendez-vous samedi. Aïe, aïe, aïe. Bon, le rendez-vous est pris en tout cas. Hein. Tom, vas-y. Pareil, hein, on se doit de prendre les 3 points. On n'a pas le choix, on est chez nous. Ça doit être le tarif habituel de base. On est l'OM. Le tarif habituel en Ligue 1, pour les équipes qui viennent, hormis PSG, Lyon et 2-3 autres équipes comme ça, c'est tu vas au Vélodrome, tu sais que tu vas perdre. Voilà. Sauf que bon, maintenant c'est plus le cas. Mais voilà, ça doit être le tarif habituel. On se doit d'être exigeant avec nos joueurs. Mais après, personnellement, je pense que jusqu'en décembre, je ne vais plus regarder le jeu. Je vais juste regarder les résultats.
Je veux la victoire parce que voilà, quand on est l'OM, c'est victoire obligatoire. Qu'il y ait du jeu ou pas, s'il y a du jeu, tant mieux, c'est toujours mieux. Mais on va, c'est bon, on va pas rabâcher pour 3 heures. On sait qu'il n'y a pas de jeu, donc il n'y en a pas. Et à partir de janvier, là, on, parce que là, on aura plus, on aura probablement plus de 2-3 matchs par semaine. Donc là, je commencerai à être exigeant. Mais là, bon, ça m'a saoulé. Donc voilà, ils ont gagné. En tout cas, ils ont gagné. Je serai plus exigeant au niveau du jeu, au moins jusqu'en décembre. Jusqu'en fin décembre. Et bah, ça nous fait un live très complet sur cette nouvelle défaite en Ligue des Champions, sans marquer de but, de l'Olympique de Marseille face au FC Porto. Et on va donc conclure sur ces jolies paroles de Tom. Bah, en tout cas, merci à tous en tout cas, de nous avoir écoutés. C'était un plaisir malgré tout hein, d'être avec vous et de faire cet après-match. Je vais juste conclure en disant que vous pouvez nous soutenir sur notre page Utip. Et il y a une autre manière de nous soutenir que Akian va vous présenter maintenant. Oui, effectivement, en fait, Utip, c'est bien, c'est un don. Donc vous pouvez nous faire un don régulier tous les mois ou alors un don comme ça pour un one-shot. Par contre, vous pouvez aussi, si vous voulez quelque chose en contrepartie, et c'est peut-être même là l'intérêt, c'est pour ça qu'on a mis ça en place, aller sur notre e-boutique. Donc, vous avez le lien directement quand vous allez sur notre site dans le menu boutique. Hein, vous voyez ça sur notre site. Et donc, du coup, vous pouvez choisir des fringues assez sympas. Là, on va essayer de faire des promos pour tout le mois de décembre. Pour que vous ayez quand même des promotions de 15% sur toute l'intégralité jusqu'à Noël. Ça peut être l'idée d'un cadeau pour un frère, une sœur, un copain ou même un père. Et en tout cas, l'idée, c'est vraiment que vous pouvez aussi, en plus de choisir vos produits, ce que nous avons sélectionné, vous pouvez aussi personnaliser avec nos logos. Et on en a 3 pour l'instant de mise en place. Vous pouvez faire votre propre produit. Donc ça, c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus. En tout cas, c'est de la bonne qualité. On est plusieurs dans Peuple Olympien à en avoir utilisé. Et croyez-moi, pour l'instant, on n'est vraiment pas déçus de la qualité. Donc voilà, ça peut nous aider. Et en tout cas, c'est grâce à ça qu'on finance nos jeux concours et tout ça. Voilà, merci à vous. Voilà, merci en tout cas à tous et merci à vous quatre, les chroniqueurs, à Kian, Jérémy, Paul et Tom, d'avoir été avec moi pour ce talk et à bientôt. À samedi, ce sera Dodi qui fera le talk avec les chroniqueurs qui seront présents vers 21h30, il me semble, pour l'après-match de ce Marseille-Nantes. Merci à tous d'avoir écouté, à bientôt. Merci à toi. Allez l'OM. Bonne soirée à Simone. Ciao.